On est bon là ? Bonjour tout le monde, nous sommes ici avec Benjamin, ici avec Romain. Je ne suis pas trompé dans les prénoms. C'est excellent. Vous êtes moniteur de parapente. Notre vie va être entre vos mains pendant les 45 prochaines minutes. On a mis cette combi qui de dos au sol ne fait pas rêver. Mais qui en l'air va être incroyable. Confortable. Confortable. En live à la montagne. Ouais, c'est cool. Voilà, on s'est dit faire des petits lives IRL, ça change. Je me suis rendu compte en revenant ici que j'étais déjà venu petit pour skier. Et de revoir ce paysage sans la neige, c'est un autre plaisir. Ouais. Moi, je suis comme toi, j'ai jamais vu ça en été. J'étais venu que quand il y avait de la neige. Et en vrai, c'est très beau, très reposant. On est là pour kiffer en l'air. Mais avant ça, je crois que vous devez faire un petit briefing. Parce que ça va être un peu compliqué pour nous sinon, si on comprend pas les choses. C'est les titres de Romain. Très efficace contre les chutes libres. Donc il va falloir qu'on se mette en mouvement pour faire gonfler la voile, pour qu'elle passe de derrière nous au-dessus de nous. Ok. Elle va se remplir d'air, là ça va peut-être nous reculer un petit peu parce qu'il y a du vent. Et la voile est au-dessus de nous, et puis bah là ça vole pas encore. Donc si tu t'assois, bah, on finit sur le cul, et puis bah c'est à refaire. Donc on va accélérer, on va prendre de l'élan, on va courir jusqu'à ce qu'on ait complètement quitté les pieds du sol pour décoller. C'est les titres de Romain. Très efficace contre les chutes libres. Je serai avec toi moi. Ouais. Romain, je vais t'écouter. Mais vraiment, ma mère aurait souhaité que j'écoute comme ça quand j'étais plus jeune. Je vais vraiment t'écouter à mort. On va pouvoir lire toutes vos petites questions, tout ce que vous dites. On pourra le voir ici parce qu'on a des téléphones avec nous, avec le chat du live. On sera ensemble, mais on pourra pas se parler parce qu'on sera loin, à plusieurs mètres. On sera des petits signes. On essaiera de venir se rapprocher. Oh, pas forcément. Oh non, c'est pas forcément. On se voit très bien, t'inquiète pas, on est bien. Les voiles qui s'entremêlent, on connaît bien. Moi, j'ai une anecdote sur ça. Je te jure, j'ai une anecdote. Comme ça, ça refroidit tout le monde. J'ai fait la montgolfière pendant le tour des 10 millions et on était à deux montgolfières et il y a une montgolfière qui est arrivée sur le ballon de la nôtre, qui s'est mangé notre ballon. Dans les airs ? Dans les airs, genre à hyper haut, tu vois, ça va méga haut et je me suis chié dessus. Mais je suis là donc tout va bien. Tu te chies dessus là, Là je suis bien là, il y a de quoi accueillir, okay. C'est très très bien. Est-ce que c'est assez serré ça Romain? Je commence à stresser. Ça descend. C'est bon? Ça descend un peu sous les genoux. Voilà, ça ira? Romain, c'est toi le boss. Ouais, je sens le vent. Tu vas faire des cascades, c'est ça? Non, c'est pas mon style. C'est totalement ton style, je le vois dans ce sourire. Dans mon regard derrière. Dans ton regard derrière tes lunettes, je vois très bien. On nous demande l'équipement, il pèse combien en moyenne plus lourd que Lucas pour l'interrogation? Je suis quand même plus lourd que l'équipement. C'est très léger en fait en réalité. La sellette, ouais. L'ensemble de l'équipement, le parapente sellette, c'est une vingtaine de kilos. Moi, je sens qu'il va y avoir un feeling avec Romain, je suis rassuré. Partir pendant qu'ils sont en train d'équiper Dwag qui est derrière. Je me suis un peu dessus. En fait, j'en ai jamais fait donc je sais pas trop ce que ça fait, mais ça a l'air assez cool, assez reposant en fait. Est-ce qu'il est fonctionnel l'équipement de Dwag là? Bah écoute, je vais vérifier ça maintenant. À un moment donné, vous êtes contrôlé, t'entends, on fait contrôler nos voiles. Ouais, mais même est-ce que votre technique est contrôlée, tu vois? T'es en train de remettre en question ses compétences là? Tu veux qu'il te fasse vomir? Les clients mystères qui viennent et en fait sont là pour juger. Est-ce que je suis contrôleur en fait? D'accord, ouais. Moi je vais voir ma voile à un Dwag, je m'en veux pas Dwag, mais je vais voir ma voile. Parce que si la voile de Dwag elle est cassée, je m'en bats les couilles, vous savez. Moi ce que je veux c'est que ma voile elle marche très bien. T'entends. Quoi? Tu m'as entendu? J'ai dit j'espère que ta voile elle va être nickel frérot. C'est ces fils qui me rassurent peu, regardez. Tu dis les fils, mais les fils c'est ce qu'on appelle des suspentes. Une seule suspente ça supporte 300 kilos quand même. Et c'est fait de quelle matière? C'est du Kevlar à l'intérieur. Ah sympa ça. Donc l'ensemble de la structure c'est prévu pour résister à 2 tonnes. On peut faire voler des petits, on peut faire voler des grands, on peut faire voler des enfants, des adultes, des grands. 2 tonnes putain. Putain, c'est large quoi. À nous deux, on va faire quoi? Nous, on va peser 120 kilos à peu près. Ah ouais, on est bien. On pourrait être 20 reliés à cette voile et on serait quand même bien. Donc on a deux phases. Une phase avant de décoller où on prépare la voile. Ok. Et dans la phase de montée de la voile où je vérifie que tout va bien. On est d'accord, je suis en train de te déconcentrer pendant que tu prépares tout pour qu'on survive. C'est ça qui se passe actuellement. Je sais que t'aimes pas les casques. Il aime pas les casques. Les casques importants, vélo, ski, parapente, moto. Non mais moto, t'es obligé. Je veux pas te déconcentrer. Donc je te laisse démêler cette voile. Je me chie dessus, c'est bon. On saute à combien de mètres de haut? On a 2100. On a 2100 et on va atterrir à combien? À 767,50 m. Ah ouais, on va faire 1400 mètres quand même. Mais attendez, qu'est-ce qu'il fait mon... Attendez, il faut préparer les choses, regardez ce qu'il fait mon coach. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'attends là? C'est comme ça que t'as préparé une voile qui va nous tenir à 1 km de haut? Je profite du paysage. C'est bon, t'es prêt? Tu peux y aller? Je vais crever, Ouais, je suis prêt. Je vais crever, putain. En vrai, j'ai totalement confiance en toi et je pense qu'on va passer un bon moment en l'air. Bah j'espère. Ça va être très marrant. Coup, regarde, les arcs, là, le bas de la vallée, les arcs 1800 qui sont là. Ouais. Nous, on va aller là, puis on va prendre les ascendances là. Les ascendances, c'est quoi? Tu peux expliquer aux gens? C'est des bulles d'air chaud. L'air chaud monte. Nous, quand on rentre dans une ascendance, on spirale à l'intérieur comme le font les oiseaux. Ok. Les rapaces. On va monter avec les ascendances. Est-ce qu'on va être des rapaces du coup sur ce live? Ouais. Ok. Il y a des petits tricks à faire en l'air, des trucs. Ouais, si tu sens bien le truc. Je sens rien pour le moment. Je ne sens pas mes jambes pour le moment. Ouais. C'est tout ce que je sens pas. Est-ce que vous voulez que je lui mette la tête en bas ou pas? Mais dis pas ça, ils vont dire oui. Ils vont dire oui, Romain. Il y a quelqu'un qui nous a fait une blague, Romain, je te la partage. Il y a quelqu'un qui a dit on peut dire que vous allez vous envoyer en l'air. On l'a jamais fait.
Romain juge vos blagues. On va pas trop faire les fous, il y a mes enfants qui regardent, je veux pas non plus leur foutre la trouille. Pense à salut tes Rome, enfants. Salut Lucas, salut Noan. Salut Noan, salut Lucas, salut Rome. Romain. Romain aussi, deuxième Romain. Ton fils s'appelle Romain comme toi. C'est chiant la baraque. Ah oui, bah oui, t'as créé un peu d'équipe roco. Vas-y, Romain, tu sais quoi? On y va, mon gars. Allez, on y va, on est des malins. C'est là, ça va faire un tout petit peu. Doig, je t'aime. T'as vu, je stresse. Ouais, je vois ça. Regarde, je vais faire une blague, c'est Toto qui est dans un combi dans l'espace, il pète, ça fait pouf. Ah, je tremble un peu, hein. J'en ai jamais fait. Moi non plus. C'est pas du tout normal. Je vais lire un message au pif dans le chat. J'aurais pas dû lire ce message. Ouais. Écoute, je suis prêt quand tu veux. Un, deux, trois, c'est normal. Là. Ah. Ok. Ouais. On est bon là ? On a la voile là au-dessus les gens ? Ok, je cours. Oh ! Je cours. Mais je suis petit Romain ! Ah ! Oh la vache ! Trop bien, non ? Ouais, trop bien ! Oh la vache ! Ah, c'est bon ça ! Alors est-ce que tu vas réussir à lire les messages et à parler avec tes copains ? C'est impossible ! Impossible ! Je peux pas parler aux gens, c'est pas possible Romain ! Je me chie dessus ! Ah, c'est bon ça ! Ça va, ça va, je suis bien là, je suis sur ma meilleure. Waouh, c'est moi qui l'ai fait bouger, c'était une blague. Il fait des blagues. Ok, est-ce qu'on peut trouver des descendances? L'ascendance c'est chouette, ouais. Mais je trouve que les descendances... Attends, ton pote quand même. Je me chie dessus les gens. Ouais, là on a une belle ascendance. Alors regarde ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner à droite. Ok. Tourner à droite, je descends à droite. Tu descends à droite, ça tourne à droite, voilà. Ah, c'est pas mal. Ah oui, oui. Je vais me calmer les gens, vous en faites pas, c'est le temps de s'habituer. Là en bas, il y a vraiment 300 mètres. Et il y a des gens qui ont fait 600 km comme ça. Ouais. Il y a 3 semaines de ça, il y en a, ils sont montés à 6000 mètres en parapente. Wouah. Regarde, il décolle, Doig. Je vais pas te faire tirer en arrière, on y va. Ouais, prendre. Ouais. 1, 2, 3, en avant. Ah oui, pour tirer, ça tire. Tranquillement. Là, on va essayer de courir. Ok. On reste debout au cas où. Voilà, super. Putain, mais c'est incroyable. Wouh, je suis un oiseau. Il a dit hi. Et moi je dis ah. J'adorerais regarder mon téléphone mais je peux pas, j'ose pas les gens. C'est moi qui bouge. Oui mais ne bouge pas. Je veux que tu te colles à moi. Je pensais pas dire ça à un homme de ma vie mais là je le dis, colle-toi à moi. Je vais essayer de regarder ce que t'as écrit dessus. Romain. Quoi? Je vais regarder. GG. Ouais, trop bien. Impressionnant, GG les gars. Imagine, il n'y a plus de vent. Vas-y, je lis plus le chat. Vous m'avez saoulé, vous méritez pas que je lise le chat. Vous m'avez fait peur. Dans un moment de détresse, c'est comme ça que vous remontez le moral? Ça va, tout va bien toi? Tout va parfaitement bien. Super. Et là, faut regarder le paysage, faut profiter. On est tellement haut, vous vous rendez pas compte, je pense. Oh. Ok, là, je pense qu'on est assez. Ouais, on est bien. Ça va faire une fois dans une vie, hein, mais clairement. Là, on arrive à 2300, 2400 mètres. On a pris 500 mètres sur notre décollage. On a pris 500 mètres par rapport au décollage, là, apparemment, les gens. Ça, je commence peu à peu à être bien, Romain. Mais j'ai peur quand même. Enfin, je te jure, ça me terrifie. Dis-toi, t'as rien à craindre. Pour rassurer les potes, là, t'as rien à craindre. Je sais qu'il n'y a rien de dangereux. On est en sécurité. Ah ouais ? En plus de ça, j'ai un parachute de secours. C'est faux, ça. Si, c'est vrai. On a un parachute de secours tous les deux. Il est accroché dans le dos et il est accroché ici, là, sur notre parapente à nous. Et donc, s'il arrive un truc, au pire du pire, on a un parachute. Mais pourquoi t'as pas dit ça avant? Bah, comme ça. Parce que tu t'es dit que t'allais pas dire de mensonge. Et là, tu vois ma situation et tu décides de mentir, Romain. En 7 minutes de vol. Romain, on avait dit pas de là entre nous. Arrête, parce que sinon. Ah, pardon, t'as pas menti. Okay. Je te kiffe, la vérité, elle est belle. Alors, quelle belle vérité. C'est moi qui ai les commandes. Ah. Je vais avoir une tête d'angoissé. Alors que je le suis pas tant que ça, mais. Quand même un peu. Oh là. C'est dangereux hein, ce métier de youtubeur. Enfin, j'aimerais trop voir Lucas parce qu'il doit être en stress aussi ultime. Ouais, c'est magnifique, regardez les gens. C'est magnifique. Je vous fais voir, c'est absolument magnifique. Ça va, t'es tranquille maintenant? Je serai jamais tranquille, je t'avoue. On va faire un petit tour de parapente. Putain, on a failli mourir. Putain, mais il fait des blagues horribles. Il a dit on a failli mourir. Mais regarde, mets ta caméra sur la voile là-haut. Nous, on est retenu à la voile. La voile, ce qui peut lui arriver, c'est ça.
Hop, c'est une fermeture. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu. J'ai vu et ça suffit une fois. Hein, t'as vu, ça a même pas bougé. Oui, oui. Là, je peux même lâcher les commandes, regarde. Non! C'est illogique qu'on vole, c'est illogique. Mais c'est incroyable. Oh, il y a Douag là! Regardez, c'est Douag! Il fait coucou, il est beaucoup plus à l'aise que moi! Coucou, Douag! Non mais ce live n'est pas incroyable quand même. Moi si j'étais l'un d'entre vous, tu vois, je me serais dit, c'est quand même le moment de s'abonner à la chaîne. Après on en fait ce que vous voulez, hein, mais je me serais quand même dit ça. Florent, je suis fier de Yoko. Je suis fier de ce qu'on a accompli. Je t'aime mon frère. Je te laisse t'occuper de Natsu. Prends soin de lui, comme tu prendras soin de cette marque, je le sais. Je t'aime mon frère. Maman, merci de m'avoir laissé jouer au jeu plus jeune. Papa, merci pour la première caméra HD que tu m'as offert. C'était génial. Merci à toute cette belle communauté que je ne méritais probablement pas mais qui est là et qui m'apporte beaucoup d'amour tous les jours qui passent. J'aimerais faire un bisou spécial à Natsu avec qui je passe des moments incroyables même s'il veut toujours me douiller et avoir la friandise avant de faire ce que j'attends de lui. Ah, mais ils sont vrais. Mec, je me chie dessus. Pareil. T'aimes bien la balançoire ou pas? Non, oh non, il fait la balançoire. Oh, oh. Ah. Reprends les commandes, Romain, s'il te plaît. Tu dois prendre des commandes, sinon on va courir. Mais je veux pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai peur. T'essayes une main, moi je prends. Ok, une main. Ça vous va les gens, une main? C'est déjà un petit pas vers la peur. Là, tu mets le poids du bras sur la commande. Voilà. Maintenant, tu regardes à gauche. Et tu descends cette main. Regarde. Ah oui, oui. Maintenant, tu relèves la main tout en haut. On va tout droit. Maintenant, tu regardes à droite. Et moi, je descends à droite. Voilà, tu vois, hop, tu tournes là-bas. Si je remonte les mains, la voile, elle accélère. Ok. C'est sympa. Ouais, ça va. T'as vu, c'est facile. Ouais, je sais, mais tout est bien. En fait, je kiffe, mais j'ai des moments de prise de conscience qui font que j'ai très peur, tu vois. Mais il y a des moments où j'oublie et où je suis trop bien. Putain, j'ai... Ça me remonte un peu. T'as un peu la gerbe? Un petit peu, ouais. Alors si vraiment tu dois gerber, il faut vraiment que tu penches sur le côté. Donc okay. Quand tu gerbes devant, sinon tu prends tout dans la face. On est à 15 000 personnes. Est-ce que ça te fait plaisir? Ça te fait quel effet? Oh, j'ai appuyé sur le mousqueton sans faire exprès. Tu les aimes? La vie est amour. Hein. Et puis si vous voulez faire du parapente, n'hésitez pas. Je rappelle qu'on a été invité par Génération Montagne. Là, on est aux arcs 1800. Enfin là, on est aux arcs 2800 de manière temporaire vu qu'on est très haut. Comment tu repars sur Fortnite? Bien joué! Super atterrissage en tout cas. Waouh! Oh! Mais non, mais c'est un délire! Oh la vache! Ah! C'est bon ou pas? C'est pas mal! Sa mère! Allez, on continue! Dans au-dessus de la voile! Allez, c'est parti! Ça va? C'est parti! Il est en train de m'abîmer ma gueule. En vrai c'est génial. Oh, tu m'as fait plaisir. Ce que je respecte, c'est que t'as attendu le moment où tu sentais que j'étais un peu apte à ça. Ouais. Parce que j'étais rassuré par le fait qu'on s'approche du sol. Et c'est très gentil. Merci beaucoup Romain. Regardez, il arrive. Ça monte. Le mec, il a fait un truc de ouf. C'est beau, c'est lourd. C'est ouf de faire ça. C'est trop bien. C'est le moment où on atterrit les amis. Ça y est. Un bon comité d'accueil. Reste debout. Eh, c'était chambé, hein? Mais grave, c'était chambé. C'était archi bien. Bim! Trop bien, mec. Je suis impressionné, gros. T'as été un monstre, je te le dis. Je me suis liquéfié au début. Je te jure. Ah, mec. Tu verras mon départ, hein. Pire. Attends, j'aimerais bien avoir l'avis de Benjamin. Non. Ça s'est bien passé, Benjamin? Super bien. Est-ce que Douag a été courageux? Il était parfait, courageux. Moi, j'étais un peu vers l'avant, et donc le sac me compressait là. Ouais. Pendant tout le vol, et à un moment, il m'a dit, tu vois que t'es en train de partir, donc il m'a replacé. Ah. Ça allait mieux, mais vu que c'était un peu remonté, bah, je lui ai dit, ça se trouve, tu vois, ça va partir. Et finalement, il m'a dit, non, t'inquiète, je gère, il m'a ramené en bas. Mec, je te jure, étonnamment. Et les figures, c'est le moment où t'as le moins peur. Parce qu'en fait, tu t'as pas le temps de comprendre. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu, les gens. C'était très cool avec Romain. On s'est éclaté, merci, hein. Nia, tu peux leur donner. Et tout. Ouais, j'ai eu le bilan de ma vie. J'ai fait un petit bilan à un moment, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et je me suis dit, franchement, au cas où, j'envoie des messages à mon frère Natsu. Donc, franchement, ouais. Mais avec toi, tu vois. Si j'ai pas un Romain. Sûr que vous allez tomber amoureux. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Je sais pas, Romain. J'ai l'impression que le parapente crée des liens uniques. Alors faites du parapente. C'était trop cool. Merci Génération Montagne. Merci tout le monde. Merci la régie. Et puis. On est censé être montagne en ski. Hein. Ou du silo en VTT. Voilà, n'hésitez pas. Très bon souvenir. Nous, on vous laisse. Merci tout le monde. À bientôt. Bisous tout le monde.